je vais Minecraft 1 ici, c'est le B35 pour un nouvel épisode de Minecraft vous êtes offert. Oh putain, le caméscope qui me rentre dans le crâne, ça fait mal. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, vu qu'on n'est pas avec Mission Fanax, c'est que Joris ne veut pas nous parler. Ni niveau avancé de notre survie, ça va moyennement aller. On est plutôt posé pour à peu près tout et notre vie devient très monotone. Donc j'ai décidé d'aller explorer. Des endroits. Là j'étais dans la maison à Monsieur Fanax. Et moi je suis pas là. Et je suis en compagnie de Ben 13. Ils sont partis explorer un petit peu aussi. Et dans d'autres directions qu'eux. D'autres sont perdus en cave aussi, Demon 3X par exemple, il est perdu en cave depuis je sais pas combien d'épisodes. Tiens d'ailleurs il y a un Enderman. Oh non sérieux la perle. Oh putain le creeper. Oh c'est un enfoiré. Eh, j'avais une perle mais le creeper l'a explosé. Eh, j'ai des potions étranges qui donnent plus de force. Tu en veux? Volontiers, ça m'aide. Et il y a un cher monsieur zombie qui vient nous voir. C'est un méchant. Oui. Je vais d'abord aiguiser. Ils sont trois. Aiguiser, je sais plus comment ça se dit, mais les épées. Ah, je reçois un signal, tiens. C'est un signal de Dova qui nous donne sa position, il pourra pas être là. Alors, tiens, prends ça si tu veux, mais... J'en ai beaucoup trop, reprends ça. Tiens. Tiens. D'ailleurs, le Dova, c'est à peu près au même endroit que lui, ils se sont retrouvés. Oh! Et tiens également. Bon. Oh, deux. C'est mon outil de navigation qui semble me dire que ce sont des potions qui augmentent le tonus physique. En gros, c'est des stimulants, c'est de la drogue. Ouais, arrête de droguer, c'est pas bien. Coke artisanal par Ben 13. Je t'ai dit qu'arrête de droguer. Sinon, c'est moi qui va te droguer. La vidéo, d'ailleurs. C'est le titre. Oui. À l'attaque, au moule, je veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont attaqué maman. Je veux. Les gens de la ville m'ont attaqué maman. Tiens, j'ai vidé mon stuff sur ces deux creepers là. Osef. Explosez les amis. Oh merde. Aïe. Je vous ai ramassé les items du coup, je suis bête. Et les deux creepers sont morts. Ils étaient dans l'eau. Oh! Attention! Attention, Harlem check sur la sorcière! La pauvre sorcière, elle a pas mérité ça. Et attends, eh les creepers que t'as. Eh les creepers, venez! Je suis là! Viens le creeper! Viens! Wouhou! Oh! Oh, mon petit navigation me dit que tu as pris très cher à cause d'un creeper. T'as explosé ta tronche. Si t'as besoin que je te ramène à la maison, ouais, je crois. Là, je peux pas trop, je vais te laisser un peu à l'agonie. Osef, du zombie, non, n'explose pas, connard. Bon, je ramène le cadavre de Ben 13 chez lui, vite. Putain, allez, je te prends. Pourquoi tu tritures ton outil de navigation? Ça peut que ça faire, mais en plus c'est vachement lourd quoi. Arrête de triturer ton outil de navigation. Il est inconscient. Merde. Ah. Ah. T'es vachement lourd, tu sais. Ouais. Eh bah t'es pas complètement dans le coma, ça va. Bon, je réunis toutes mes forces rush. Je me sens un peu vieux. Je crois un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je rush jusqu'à chez toi. D'accord. Ok. Où est ton lit? Où est mon quoi? Ton lit. Pour que je puisse t'y poser. Bah en fait, je l'avais sur moi. Ah bon? C'est bizarre. Mais laisse-moi en plein milieu de ma maison. Voilà, je te laisse là. Voilà. Je pars de là où t'es. Pourquoi? Creuse un bloc sous toi. J'ai relancé la caméra.
Pourquoi je devrais creuser un bloc sous moi? Parce que j'ai envie. Bon. Problème. Je comprends pas le délire. Ce n'est pas grave. Bon. Ben 13 va mieux en tout cas, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, dès que le jour se lève, je vais partir en exploration seul. Et je reprends des forces un petit peu parce que la nuit a été très dure. Mais bon, c'est les risques du métier. Et j'ai commencé à avoir l'habitude. Par contre, il y a des trous partout. On va se diriger un petit peu par là-bas, par les montagnes. Parce que je suis sûr qu'il y a des lieux très beaux et très intéressants que j'ai envie de vous faire découvrir. Et que j'ai envie de découvrir aussi avec vous, spectateurs. Et après, forcément, le pays devient monotone. Alors, je vais faire un peu d'alpinisme. Et vu que ma caméra est grand angle, je vais vous montrer un petit peu ce que je ressens réellement quand j'escalade ce genre de montagne. Parce que c'est vraiment quelque chose de fou. Attendez que je règle la caméra un petit peu. Voilà, j'ai mis le focal à peu près égal à ce que je vois. C'est énorme. Et du coup, l'escalade va vous être aussi difficile que ce que je vis réellement. Il faut savoir que ces blocs sont absolument plus gros que ce que vous avez la sensation de voir sur les rendus vidéo. Yolo. Alors. Donc. Je galère un petit peu à escalader. C'est assez abrupt. C'est abrupt. C'est abrupt. Pas abrupt. C'est un abrupt. Oh. Punaise. Je me sens un peu coincé là. Oh. Je remettrai la focale telle qu'elle est réellement quand j'aurai fini d'escalader ça. C'est juste pour vous dire, pour vous donner une fois la sensation que j'ai réellement. Si vous missez, appuyez sur 3. Sauf que moi ça touche de record de ma caméra, donc je vais éviter. Et bah appuie quand même. Ouais non, ça ferait une coupure dégueulasse. Voilà, nous y sommes. Donc je vais remettre la focale normale. Voilà. Comment ça je suis fou et je me parle tout seul? Sauf que les abonnés n'ont pas entendu vu que j'ai dû couper un petit instant où je triturais la machine. Mais comment ça je suis fou et je parle tout seul? Je crois que t'as un grave problème, comme tout le monde sur cette île en fait. Oui, donc la communication ne marche qu'à une certaine distance. Après, une fois qu'on l'a activé, on peut s'éloigner tant qu'on veut. Mais là, actuellement, on n'est pas en possibilité de contacter les autres. Alors, donc ici, nous avons la mine de Tinjoff, qui est une grosse mine. Mais non. Et c'est dur de creuser, hein. Avec ses petites mimines, il a beaucoup de mal. J'ai dit une fois, j'ai claqué 2 pioches. Allez, je vais pas vous remontrer l'escalade parce que c'est très pénible à voir, mais de toute façon c'est ce que je vis un peu. C'est compliqué de monter les montagnes. Là j'arrive à une couche où il y a de la neige, l'oxygène se fait un peu rare, donc j'ai un peu du mal à vous parler, scrogneugneux. Donc d'ici on... Attention, dans 3, 2, 1, CLB va suffoquer. Donc là, ici nous avons la grande montagne avec là où je pointe, là où la caméra pointe, la maison d'Eldaimon. Par ici nous avons la maison de Ben 13, et c'est par-delà cette colline que nous avons notre base, et plus loin encore, par-delà la ligne d'horizon, il y a le lieu où on s'est écrasé. Malheureusement, mon outil de navigation ne permet pas de le voir parce que cet abruti ne zoome que sur la partie où on était au tout début. Donc du coup là je suis très loin. Et donc là où on peut voir sur l'outil de navigation, c'est par là-bas. Voilà, donc vous avez vu le meilleur spot de l'endroit. Donc ici nous avons une forêt de bouleau, ici d'autres montagnes. Et ici un jeu du funambule. On se demande comment ça s'est fait. La nature est parfois... Ah, putain.
Ben 13. Tu me ramènes. Zari. Je coupe la caméra tant que je peux. Je crois qu'elle est cassée. Je suis un nul. Ben 13, tu m'as ramené. Ouais. Et je suis reparti, j'avais des choses mieux à faire que de faire du bouche à bouche. Au revoir, je me casse. Bonjour. Ouais, je peux comprendre. Oh là là. Comment ça, chien d'enfoiré? Quel abruti. Je parle de moi. Comment ça, j'ai failli le buter? Sérieux, je suis un abruti parfait. On peut le dire là. Ah, si on peut dire que. Je viens de sauter d'une falaise. Ah, bah c'est bien. La maison d'Eldaemon. C'était là-haut qu'on était. Et franchement, Ben 13, je te remercie d'avoir escaladé les montagnes et de t'être éloigné de la maison pour me ramener. C'est vraiment super sympa. Mais non, j'ai utilisé des perles qui ont la capacité de nous téléporter. Je me serais pas fait chier à monter, hein. Pour moi, oui, c'est sûr, moi je suis pas important. Non, c'est pas important. Tu as réussi à réparer le caméscope aussi, ça a coupé un moment, je crois, donc vous ne verrez pas. De toute façon, je crois que l'objectif était endommagé, donc de toute façon, vous tombiez sur un écran noir. De toute façon, sauf si vous vous appelez Ben 13, vous n'aimeriez pas le voir totalement à l'agonie. Mais lui, il aime bien le sang et les feux d'artifice. Oui. Dans l'usine de Ben 13. Dans l'usine de Ben 13. Ouais, car il fait plein de feux d'artifice dont il se servira si on réussit à survivre. Et si on ne réussit pas à survivre, il s'en servira quand même. Il s'en servira quand même en tant que feu de détresse. Ah, t'aimes-nous ? Oh, et là tu vois un bateau au loin. Oh, c'est beau ! Bon, on se casse maintenant, il y a plus de munitions. Splendide. Nous sommes dans une grande plaine et on va s'éloigner bien plus loin parce que moi, très franchement, j'ai envie de voir du pays. Voyage, voyage. Bonjour. Tu connais beaucoup trop de musique. Sans blague. C'est un avantage aussi, tu sais. Ouais. Attendez. Le poulet s'est téléporté ou c'est moi? Bon. Alors. Continue, hein. Ce terrain est vachement cool. Hein. On a vraiment un très beau monde à disposition. Parfois un peu surnaturel, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la lévitation un peu là. Les lois de la physique n'ont plus cours dans ce monde cubique de merde. Où on peut faire des portes? Bah évidemment qu'on peut faire des portes. Dans un vrai vie aussi, on peut faire des portes. À la limite, ça c'est pas grave. Là, je m'aventure en forêt. Il y a des failles, putain. Des failles. Pardon, de failles. Des failles. Je me suis fait mal. Dans le continuum espace-temps. On parle de continuum espace-temps. Juste avant de partir pour retrouver Tinjo sur cette île. Tinjo, il faudra retrouver d'ailleurs. Juste avant de retrouver Tinjo sur cette île, j'ai reçu la 7ème saison de Doctor Who. Et bah là, abruti. Où là? Ah, les mecs ils sont carrément venus sur cette île. Ah ouais, ils sont comme ça les gens. Ouais, si on est sur cette île. De qui? Bah les gens qui t'ont livré le... Non, non, non. J'ai reçu avant de partir. Ah, d'accord. La nuit tombe. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Non, c'est même vraiment pas cool. C'est pas cool. Mais bon, on continuera d'explorer quand même parce qu'on a une grosse arme. Et elle est quasiment morte. Rage. De quoi qu'est-ce quasiment mort? Mon armure. Elle est vraiment très endommagée. Comme elle est rouillée de partout. Il y a même des endroits où ça commence à se fissurer. Et bah dis donc, si on te frappe pile à cet endroit-là, tu vas souffrir. Oh, des petits cochonnous. Ah là là. C'est beau les couchers de soleil, hein. C'est la nuit? C'est ça. Miniature de la vidéo. C'est splendide. C'est splendide. C'est la nuit. Petit cochonnous. Alors, je sais pas du tout combien de temps on en est en vidéo. N'empêche que...
on découvre déjà des lieux splendides, mais regardez-moi ces cavernes, quoi. Oh, c'est merveilleux, franchement. De tout ce que j'ai vu, j'ai rarement vu des choses aussi belles. Oh, tiens. Oh, des loups. Des loups. Des loups, putain. Oh, j'ai des os, je vais pouvoir les amadouer. Les amadouer. Les amadouer. Oh, il est à moi. J'ai un loup à moi. Il est trop mignon. Pendant que tu vas dormir, un jour, pendant que tu dormiras, ce loup viendra te bouffer les os. Bah non, j'ai mis son petit collier et tout, il est trop mignon. Allez, je rentre à la maison avec lui. Oh putain, il s'apprêtait à taper l'araignée. Dommage que j'ai le réflexe de... Tu viens ? Oh. D'accord, aïe. J'arrive. Hey. Oh tiens, regarde. Ah. Oh. Mais non, je regarde pas. Ouais, tu peux pas. N'empêche que là, le squelette, il morphe sa race. Vas-y, tu peux le faire. En fait, t'as pas l'air de pouvoir. Ouais, c'est pas tu grave. Peux le faire. Ah bah non. Bon. En fait, tu peux pas. Il va m'aider à la baston. Regarde. Viens, Floufy. Floufy. Fluffy. Oh, oh le salaud. The very port. Non mais. Viens Floufy, on va l'appeler alors. Parce que Fluffy c'est déjà pris, mais Floufy c'est ça. Et il faut qu'il fasse 5 morsures pour abattre un squelette quand même. Ah non, mais j'allais report là. Bien joué, Floufy. Mauvais chien. Ah non, c'est bon, d'accord. Là, je retourne sur mes pas complètement. Quoique je suis assez paumé en fait. Tu viens, Floufy ? À demain. Fais bien attention à ces grosses bestioles là, elles font mal. Les creepers, ça s'appelle. Sophie, fais très très gaffe. Hein. Je ne souhaite pas que tu te fasses exploser ta race par ces abrutis. Mais d'après ce que j'ai compris, les creepers ne font. Les. Je vais plus symboliser. Les Fluffy, comme tu dis, ne font pas. Ont peur des creepers en quelque sorte. Parce qu'ils font des creepers. Non, je le tais. Ouais, je crois que j'ai perdu Fluffy. Fluffy. Mais t'inquiète. Fluffy. Parce qu'il paraît, ils ont des pouvoirs magiques et ils se téléportent. Sérieux ? Mais c'est quoi ce chien ? Comment tu sais ça en plus, toi ? J'ai piqué le manuel à Fanax. Floufy, qu'est-ce que tu fous là-bas ? Reviens. Eh, il m'aurait pas suivi, l'enfoiré. Viens, Floufy. C'est un bon chien, ça. Les creepers, touchez pas, mon Floufy. Pas toucher, sinon moi, tuez-vous. De toute façon, moi tuez-vous quand même. J'ai reçu un signal. Signal de Ben 13. Je suis mort. Non. Ça, j'ai. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça vite ma. The tourne en rond. Alors, les amis, je crois qu'on a encore perdu Floufy. C'est incapable. Bon, bah, il fait ses preuves. Hein. Ouais. C'est un méchant chien. Floufy, t'es où ? En Amérique. Bonjour. Floufy. Il est pas mort quand même. Floufy. I'm dead. Floufy. I'm Floufy comme tu dis et I'm dead. Ah, je me fais agresser. Sérieux. Donc je reçois des messages d'un être inconnu. Qui a apparemment un outil de navigation aussi. Peut-être qu'il va pouvoir nous rejoindre. Ah ouais, le mec, t'imagines, il a un outil de navigation. Mais t'imagines, il est sur la terre ferme, là. Et tout, il va se dire, et si je la rejoignais pour souffrir. Il est pas sur la terre ferme, si on capte son signal. Bon, oh. Les mecs, j'ai cherché Floufy jour et nuit. D'ailleurs, c'est jour. Et je le retrouve plus, ça me déprime un petit peu. Donc, je vais arrêter, d'autant que j'ai perdu le signal de celui que je croyais avoir retrouvé. Donc là j'ai perdu un peu le moral, en plus l'épisode est assez long comme ça. Donc je vais essayer de retrouver Floufy, mais en attendant je vous dis à la prochaine les amis, désolé, hein, ça se finit un petit peu sur une touche négative. Mais l'épisode suivant sera plus fun, croyez-moi. Allez, sur ce jour, merci quand même du visionnage, et je vous dis au revoir et merci à tous pour le visionnage, c'était CLB.